Moi, j'avais envie qu'une nouvelle société émerge parce que je voyais bien que celle-là ne fonctionnait pas. Et en même temps, c'était complètement l'envie de Pierre Rabhi et des autres. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on va pouvoir créer une organisation qui va permettre à ce changement de société d'arriver plus vite et d'entraîner tous les gens qui veulent construire une nouvelle société pour pouvoir le faire? On a construit petit à petit cette organisation, donc qui au départ s'appelait Mouvement pour la Terre et l'Humanisme et qui maintenant s'appelle Colibri. Donc en référence à la légende du Colibri qui est bien connue maintenant dans les milieux un peu alternatifs. Une organisation qui propose une vision de l'avenir, qui propose de montrer à quoi la société pourrait ressembler demain. Un projet de société, une vraie vision. On a développé une activité autour de montrer des solutions, montrer un nouveau projet de société par les livres, donc ces livres-là, là, la collection Domaine du possible qu'on a fait chez Actes Sud, le magazine Kaizen, des films, donc le film qu'on a fait avec Colin Serrault qui s'appelle Solutions locales pour un désordre global, des conférences, du travail sur le web où on montrait plein de petites initiatives, les relier, etc. Une activité typiquement autour de relier les gens à la fois sur les territoires, grâce à des méthodes, notamment une méthode qu'on utilise beaucoup qui s'appelle le forum ouvert, qui permet d'organiser des réunions créatives. On peut être de 5 personnes à 2000 personnes, et ça permet à des gens qui ont un intérêt commun ou un problème commun de se rencontrer, de discuter et d'imaginer des solutions. De les relier de façon plus numérique, on a créé des annuaires sur notre site, des annuaires de projets, des annuaires d'acteurs, pour que les gens trouvent autour de chez eux qui peut mener des actions qui les intéressent. Et toute une activité autour de soutenir la mise en œuvre de projets, donc par des formations. On veut créer vraiment une université des colibris, c'est-à-dire un endroit où les gens peuvent venir se former à tous les sujets qui vont leur permettre de mettre en œuvre des projets sur leur territoire, se former à l'agroécologie, se former à la connaissance de l'énergie et donc comment faire un plan de descente énergétique sur son territoire, se former à tout ce qui est création de monnaie locale ou de réseaux d'entrepreneurs locaux, se former à des méthodes de gouvernance ou des méthodes de relationnel qui permettent de faire vivre un groupe de façon harmonieuse, se former sur des sujets d'éducation. On a déjà des endroits en fait de formation pour des enseignants qui voudraient déployer des pédagogies alternatives, etc. On a créé des modes d'emploi, donc on a vraiment créé des fiches. Et on a demandé à des acteurs qui avaient déjà mené des actions de pouvoir les élaborer en pensant transmettre leur savoir à d'autres. On a lancé une première campagne qui s'appelait Tous candidats en 2000. On a commencé en fin 2011 et puis ça s'est poursuivi en 2012, où là l'objectif était de s'appuyer sur les élections présidentielles en France, pour passer un message plus politique, en disant finalement, si on veut que la société puisse changer en profondeur, il ne s'agit pas simplement d'aller voter à droite ou à gauche, mais de chacun d'entre nous commencer à construire cette nouvelle société là où on est. Ça a touché près de 4 millions et demi de personnes. Ça nous a permis d'engager un travail sur le terrain encore plus en profondeur, puisqu'on a organisé 27 forums ouverts un peu partout en France. Ça a donné lieu à près de 240 plans d'action. On a écrit une sorte de feuille de route, presque un programme politique alternatif qu'on a appelé le plan des colibris. Donc à partir de toute cette matière et de toutes ce qui nous venait des experts, qu'on a rendu public là le 30 janvier 2013. Donc il y a près de 3000 personnes qui sont venues à Paris dans une salle qui contenait que 800 places. Et ce plan, son objectif, c'est de pouvoir s'adresser à la fois à des citoyens, à des entrepreneurs et à des élus. Quand il m'arrive d'aller faire des conférences auprès de chefs d'entreprise, ou même de rencontrer des acteurs politiques, députés ou parfois ministres, ils comprennent. Pour autant, pour une partie d'entre eux, c'est encore extrêmement compliqué de voir comment ça pourrait se mettre en œuvre. Donc là, il y a une vraie, vraie, vraie grosse résistance à le faire. J'ai toujours eu envie de faire des choses dans ma vie qui ont vraiment du sens pour moi, qui apportent quelque chose aux autres. J'ai toujours eu envie que ça marche bien sur la planète, hein. Faites la chose qui vous passionne, qui fait que chaque matin vous vous levez
et vous êtes heureux comme je sais pas quoi, et que vous avez envie de donner toute votre énergie pour le faire. Typiquement, les AMAP il y a 10 ans, ça paraissait être un truc complètement farfelu, très très alternatif, etc. Aujourd'hui, tout le monde connaît les AMAP. Donc, l'objectif, c'est que d'ici 10 ans, un certain nombre des choses qu'on dit aujourd'hui, ça soit devenu la normalité. Et que les gens se disent, mais évidemment qu'il faut faire comme ça. Mais ça demande. Le problème qu'on a, c'est que souvent, ça demande une génération. Et là, on n'a pas tellement le temps, quoi.